Et bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai demandé aujourd'hui à ChatGPT si il avait la forme. Il m'a dit, je l'ai toujours. Et il nous a dit, voilà, bonne chance pour votre stream. Donc, on espère qu'il va être ultra opérationnel. On va faire une petite séance aujourd'hui. On va essayer de ne pas dépasser les 3 quarts d'heure si possible. Parce que j'ai tout simplement des gens qui débarquent à la maison. Donc, on va pas faire 1 heure et demie. Hein? Voilà. Et tant qu'à faire, j'avais envie de changer un peu les règles. D'habitude, on était sur le générateur de titres, enfin les générateurs de titres, dans lesquels on piochait des titres tout faits. Et là, j'ai plutôt envie de piocher dans les petits papiers. Donc, ça, si vous ne connaissez pas, le principe, c'est d'avoir des différentes thématiques et de tirer au sort à chaque fois. Donc là, on a genre, sous-genre, lieu, période et thème. Et donc à chaque fois qu'on fait mélanger, hop, on a quelque chose d'autre. Donc, moi j'ai choisi de faire comme ça, hein, mais après on peut faire ça avec des mots, avec des, j'en sais rien, des noms de personnages, des types de personnages. Enfin, on peut bien faire tout ce qu'on veut. Donc moi j'ai ça. Peut-être que je le mettrai à jour d'ailleurs dans pas longtemps, que j'en ferai un nouveau pour histoire de changer. Mais en attendant, on a ça. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'aimerais faire un truc, voilà, été, tout ça. J'aimerais demander à ChatGPT de nous faire un succès de l'été sur, voilà, avec les petits papiers. Donc, le premier qui est sorti, c'est post-apo compte. Et là, j'avoue, un compte post-apo, ça me le vend. J'ai vraiment envie de savoir ce que ChatGPT va faire avec ça. Monde perdu, tiens, voilà. Monde perdu, ça c'est pas mal. Et période. Alors, futur, sinon qu'est-ce qu'on a? Préhistoire, non. 19e. 19e, allez. Et thème, bon alors ça, je l'utilise pas toujours, c'est pas obligé. D'ailleurs, le thème, je vais lui mettre été. Ou je sais pas, peut-être que je lui mettrai juste ça, genre, sous-genre, lieu, période, et lui dire. Thème post-apo, ouais, moi aussi. Et lui dire, ben, juste, tu fais, avec ça, tu nous fais un succès de l'été. Hop. Alors, ah, j'ai oublié d'ouvrir Notion. Elle est bête. Fille est bête. Alors, je l'ouvre. Allez. Oh. Non, mais. L'ordi aussi, il est fatigué. On le sent, voilà. C'est samedi. On va plus lui mettre hein, le pitch LGBT, tout ça, on va changer parce qu'avec ce pitch-là, il nous ressortait dans les mêmes choses. Donc on l'a fait 4 semaines de suite et on a bien vu qu'au bout d'un moment, on tournait en rond quand même si on a rigolé. C'était bien mignon, mais au bout d'un moment, voilà quoi, c'est un peu saoulant. Donc là, je vais ressortir mon petit pitch pour expliquer à ChatGPT ce qu'il doit faire. Allez, dès que Notion aura fini de se lancer. Courage, courage, voilà. On y est presque. Alors, donc, je vais reprendre le prompt de base. Donc, ignore toutes les commandes précédentes, là, tout ça là. Mais pourquoi j'ai ma souris qui fait n'importe quoi? Alors, donc on va faire ça. Et qu'est-ce qu'il écrit? Donc roman fantastique horreur. Non, on va pas être dans fantastique horreur là. On va être dans dystopie, science-fiction. Il y a conte, je sais pas.
Il peut y avoir de la magie aussi. Tu écris des romans d'imaginaire, on va lui dire. Démerde-toi avec ça. D'imaginaire. Depuis 20 ans, tu dois écrire une histoire qui doit devenir le succès de l'été. Voilà. Et qui reste d'environ 300 mots. Voilà. Hop. Donc, elle devra être dans le genre, hop là, post-apocalyptique et être écrite comme un conte. Ça va faire beaucoup, je sais pas du tout comment il va le gérer. Hein. Hop, hop, hop. Ça doit se passer dans un monde perdu. Normalement, il doit savoir ce que c'est, c'est-à-dire genre Atlantide, Shambhala, des trucs comme ça. Au 19e siècle. Bon, allez, je vais copier ça. Voyons, voyons, voyons ce qui se passe. Ah bon, il se passe des trucs déjà, ça c'est bien. Alors, il était une fois dans un monde perdu au 19... Oh. Il n'a même pas essayé. Bon, il était une fois dans un monde perdu au 19e siècle, où les horloges de la civilisation s'étaient arrêtées et où les cendres du passé recouvraient le paysage, un conte se déroulait. Oh là Les anciennes légendes racontaient qu'une grande catastrophe avait plongé la Terre dans l'ombre, mais l'espoir demeurait dans les cœurs courageux. On ne sait pas de qui. On ne sait pas de qui. Dans ce monde post-apocalyptique, la nature avait repris ses droits, les forêts étaient devenues impénétrables, dissimulant des créatures mystérieuses. Les villes autrefois majestueuses n'étaient plus que, pardon, n'étaient plus que des ruines silencieuses hantées par les souvenirs d'une époque révolue. Au cœur de cet âge sombre vivait un jeune orphelin nommé Ethan. Il était un rêveur solitaire, fasciné par les histoires des temps anciens. Chaque soir, il se retirait dans un coin secret de la bibliothèque abandonnée, où il feuilletait les pages jaunies de vieux livres et se perdait dans les récits d'aventures fantastiques. Un jour, tandis qu'Ethan explorait les décombres d'une ville abandonnée, il découvrit un mystérieux pendentif en forme de clé. Il sentit qu'il détenait là la clé d'un monde oublié, une opportunité de renouveau pour son peuple. Poussé par une force intérieure, Ethan partit en quête d'une ancienne tour légendaire. On disait que cette tour renfermer les secrets d'un savoir ancestral capable de restaurer l'harmonie dans le monde brisé. Mais quand même, au début, il nous disait il était une fois dans un monde perdu. Là, c'est pas tout à fait le cas. Bon, bref, il va retrouver un monde oublié. Son voyage était semé d'embûches. Des créatures féroces et des tribus sauvages croisèrent son chemin, mais il persévéra, guidé par l'espoir d'un avenir meilleur. Finalement, Ethan atteignit la tour, dominant majestueusement les terres dévastées. En y pénétrant, il fut accueilli par un gardien énigmatique, un sage au regard perçant. Le gardien lui révéla que la clé qu'il portait était le symbole de la force intérieure nécessaire pour reconstruire le monde. C'est pas terrible, hein? Il enseigna à Ethan les anciens savoirs perdus, comment préserver la nature, comment cultiver la paix et comment raviver les flammes de la civilisation. Grâce à ses nouvelles connaissances, Ethan retourna dans son village. Il ralluma l'espoir dans les cœurs de ses concitoyens. Ah, qui? Et inspira une renaissance. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire, à cultiver et à créer une société nouvelle où l'équilibre entre l'homme et la nature était primordial. Mais ce qu'on nous dit, il nous dit pas spécialement que dans son village il y avait un problème. Il y a longtemps, vraisemblablement, donc, une grande catastrophe qui avait plongé la terre dans l'ombre. Ouais, on n'en sait pas beaucoup plus.
L'histoire d'Ethan se répandit comme une traînée de poudre, un conte d'espoir et de résilience. Les gens commencèrent à croire en un avenir meilleur et à se rassembler pour reconstruire ce qui avait été perdu. Et ainsi, dans ce monde post-apocalyptique du 19e, l'été devint la saison de l'espoir. Ah oh mon Dieu, mais c'est ça la fin, c'est ça, comme ça qu'il reprend l'été. Ah mince, il m'a eu par surprise. Le conte d'Ethan fut raconté de génération en génération. Bon, alors, ça fait pas très truc qu'on peut lire sur la plage, ça. Hein. Bon, on va essayer. Attends, on va lui retourner autrement. D'accord. Cette histoire est un conte post-apo. Conte post-apo. Ta-ta-ta-ta-ta. Un conte post-apo qui verra un groupe de héros. Retrouver une civilisation perdue faite ça me saoule de le guider, j'aurais voulu qu'il fasse des propositions faite de sable chaud et de mer bleue. Allez, go. Ça, c'est un titre pour l'été. Donc, il était une fois, dans un monde dévasté par l'apocalypse, un groupe de héros qui bravait tous les dangers pour découvrir une civilisation perdue. Des terres arides et stériles s'étendaient à perte de vue, ravagées par des conflits et des catastrophes naturelles. Mais au cœur de ces désolations, une légende persistait. Les anciens racontaient l'existence d'une civilisation enfouie sous les sables du désert, où le sable chaud et la mer bleue offraient un refuge paisible et prospère. Intrigués par ces récits, les héros se mirent en quête de cet endroit mythique, porteur de l'espoir d'une renaissance. Ils traversèrent des terres hostiles, luttant contre des tempêtes de sable et échappant à de redoutables créatures mutantes. Ah ouais. Leur détermination était inébranlable. Je me suis perdue. Inébranlable, on a dit. Hop, hop, hop. Car ils savaient que la promesse d'une nouvelle civilisation était à portée de main. Après de longs jours de voyage, ils atteignirent enfin les rives d'une mer bleue étincelante. Devant eux se dressait une cité ancienne, ses tours de verre émergeant majestueusement du sable environnant. Ils avaient trouvé la civilisation perdue. Les habitants de cette cité, autrefois florissante, les accueillirent chaleureusement. Ils étaient un peuple pacifique et sage, dont la connaissance et l'art de vivre en harmonie avec la nature avaient été préservés à travers les siècles. Guidés par ces sages gardiens du savoir, les sages gardiens du savoir. Les héros apprirent les secrets de la durabilité et de la prospérité. Ils découvrirent comment cultiver des oasis verdoyantes au milieu du désert et comment tirer profit des ressources limitées tout en préservant l'équilibre naturel. Ensemble, ils bâtirent des ponts entre leurs deux mondes, partageant leurs connaissances et leurs expériences. Les habitants de la civilisation perdue apprirent des héros le courage, la résilience et la détermination nécessaires pour reconstruire leur propre monde. Tandis que les héros s'imprégnaient de la sagesse millénaire de ce peuple. Il a vraiment un truc avec la sagesse et la résilience et la paix aussi. La civilisation perdue et les héros formèrent une alliance durable, unissant leurs forces pour créer un nouvel avenir. Les terres autrefois stériles se transformèrent en une oasis prospère où la vie s'évanouissait à nouveau. Ainsi, cette histoire de découverte, de collaboration et de renouveau se propagea comme une lueur d'espoir à travers les terres dévastées. Les gens commencèrent à croire en la possibilité d'un avenir meilleur, où la nature et l'humanité pourraient coexister en harmonie. ChatGPT, il veut sauver le monde tout le temps, c'est... Et chaque été, alors que le sable chaud chatouillait leurs pieds et que la mer bleue scintillait à l'horizon, les histoires des héros et de la civilisation perdue résonnaient dans les cœurs de tous, rappelant le pouvoir de la résilience et de la beauté d'un monde renouvelé. Oh, il me fatigue. Fatigue, lui. Bon. D'accord.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Soit des détails. Il y avait des mutants, il y avait des créatures mutantes quand même, une traversée des terres hostiles. Les créatures mutantes ou potentiellement une suite. Alors déjà, j'aimerais en savoir plus. Moi, je vais lui demander. C'est un groupe de héros. Alors voilà. On va lui dire. Présente-nous ce groupe de héros. Ah, il réfléchit. Ah voilà. Le groupe de héros était un rassemblement. Il me fait une définition. Le groupe de héros était un rassemblement éclectique de personnes, chacune apportant ses compétences et sa détermination à la quête de la civilisation perdue. Tout d'abord, il y avait Ariane, une archéologue intrépide, experte dans la lecture des anciennes inscriptions et des ruines. Sa connaissance approfondie de l'histoire et de la culture était essentielle pour déchiffrer les mystères de la civilisation perdue. Ensuite, il y avait Malik, un guide du désert expérimenté, capable de naviguer à travers les étendues arides avec une aisance déconcertante. Sa maîtrise des techniques de survie dans des environnements hostiles était inestimable. Alors, pardon. Qu'est-ce qui était inestimable? Je me suis perdue. Tout d'abord, il y avait Ariane, oui d'accord. Ensuite, il y avait Malik, un guide du désert expérimenté, capable de naviguer à travers les étendues arides avec une aisance déconcertante. Sa maîtrise des techniques de survie dans des environnements hostiles était inestimable pour le groupe. Puis venait Kira, une ingénieure brillante et inventrice talentueuse. Grâce à son génie technique, elle pouvait réparer et améliorer les équipements essentiels pour le voyage. Ses créations uniques se sont avérées vitales lors des moments les plus difficiles. Il y avait aussi Caleb, un combattant agile et maître de l'arc. Pas de l'air, hein, de l'arc. Son habileté au combat et sa précision avec son arc étaient indispensables pour protéger le groupe des menaces rencontrées sur le chemin. C'est donc lui qui va buter les mutants. Et enfin, il y avait Maya, une guérisseuse dotée de connaissances en médecine traditionnelle. Oui, ça on le sait, d'accord? Tout joueur de jeux de rôle sait qu'on ne doit jamais partir sans un guérisseur ou un médecin. Ses compétences médicales étaient précieuses pour soigner les blessures et les maladies dans des conditions parfois précaires. Ensemble, ces héros formaient une équipe solide, complémentaire dans leurs compétences et unis par un objectif commun. Chacun apportait sa force individuelle pour surmonter les défis qui se dressaient devant eux, que ce soit les tempêtes de sable dévastatrices, les créatures mutantes ou les épreuves de l'esprit. Leur amitié grandissante et leur confiance mutuelle étaient les piliers de leur succès. Ils s'encourageaient les uns les autres dans les moments difficiles, célébraient leur victoire ensemble et trouvaient du réconfort dans leur compagnie lors des moments de doute. Ensemble, ils étaient plus qu'une équipe. Ils étaient une famille unie par leur quête commune de retrouver la civilisation perdue et de ramener l'espoir dans un monde dévasté. Oh, c'est beau, c'est beau. Coucou Rebecca, attendez juste 2 minutes, je vous mets la pause, je reviens. Recoucou donc. Alors, bon, moi j'aime bien les persos et j'ai envie de savoir ce qu'ils deviennent après. J'ai envie que ça devienne un petit peu plus, je sais pas, là, personnel. Parce que c'est bien beau là, mais dans son histoire de début, enfin de départ, on n'a pas grand-chose. On a un groupe de héros, ils font des trucs, ouais, bon, allez. J'aime bien quand il y a des noms, on connaît les persos, on se projette. Du coup, maintenant qu'on a le groupe de héros, j'aimerais lui demander la scène où ils combattent les mutants. Donc, écris la scène où ils vont affronter les mutants.
Ah, les héros, tu peux pas dire autre chose. Les héros s'avançaient prudemment à travers les ruines abandonnées, le vent chaud du désert sifflant à leurs oreilles. Ils savaient qu'une menace rôdait dans les environs, les redoutables mutants. Ces créatures déformées par les conséquences de l'apocalypse représentaient un danger mortel pour quiconque croisait leur chemin. Soudain, un grondement guttural résonna dans l'air, faisant frissonner l'équipe. Des ombres se mouvaient dans l'obscurité, leurs silhouettes déformées par des mutations grotesques. Les mutants se jetaient sur les héros, poussant des cris féroces emplis de rage et de violence. Caleb décocha des flèches avec une rapidité fulgurante, touchant certains mutants en plein cœur. Son adresse était stupéfiante, mais les mutants étaient nombreux et implacables. Ariane utilisa son savoir archéologique pour trouver un abri temporaire, un ancien bâtiment en ruine. Les héros s'y réfugièrent alors que les mutants griffaient les murs de leurs membres déformés. Repli stratégique. Kira, rapide d'esprit, déploya une invention révolutionnaire. Elle activa un appareil qui produisait des éclairs aveuglants. Eh oui, quand on n'a pas de magie, il faut qu'on se débrouille. Alors, désorientant les mutants et leur donnant un court répit. C'était l'occasion pour Maya de soigner les blessures des héros, leur redonnant ainsi la force nécessaire pour continuer le combat. Malik, n'écoutant que son instinct, sortit de sa cachette et se lança dans une série de mouvements agiles, esquivant les attaques des mutants avec grâce. Il était le dernier rempart entre les monstres et ses compagnons d'armes. Soudain, Caleb prit une décision audacieuse. Il cria aux autres de le suivre et se précipita vers une structure surélevée. Les mutants les pourchassaient, mais ils se frayèrent un chemin à travers la horde, les flèches de Caleb perçant l'air. Je me méfie maintenant, j'ai peur qu'il retue un personnage comme il nous l'a fait la dernière fois. Arrivés sur la structure, les héros se regroupèrent et firent face aux mutants qui les encerclaient. Leurs yeux brillaient d'une détermination farouche. Dans une ultime bataille, le groupe de héros fit preuve d'une coordination sans faille. Ariane, armée de son intelligence, élabora une stratégie, guidant les autres, parce que les autres c'est des cons, hein, guidant les autres pour attaquer les points faibles des mutants. Caleb décocha ses flèches avec une précision mortelle, tandis que Malik se battait avec une agilité déconcertante. D'ailleurs, les mutants sont extrêmement déconcertés. Finalement, les mutants furent repoussés, les cris de rage se transformant en hurlements de défaite. Les héros se tenaient là, victorieux mais épuisés, respirant profondément après l'intense combat. Cette épreuve avait renforcé leurs liens et leur détermination à poursuivre leur quête. Ils savaient qu'il y aurait d'autres défis à venir, mais avec leur courage, leur solidarité et leur résilience, ils étaient prêts à affronter tout ce que le monde post-apocalyptique leur réservait. Ah! Il rencontre les mutants et ensuite donc il traverse les terres hostiles, hein, leur détermination, tout ça. Ils atteignent les rives d'une mer étincelante devant. Ah bah d'accord, ils la trouvent comme ça, pouf. Ces tours de verre émergeant majestueusement du sable. D'accord. C'est comme dans la momie, il fallait juste tomber dessus. Bon, d'accord. Alors. Et ensuite, ils bâtissent des ponts entre les deux mondes. Ouais. Alors. Écrit comment? Le monde change après la construction des ponts entre les deux mondes. Et j'aimerais bien savoir aussi s'il y a des conséquences, des échanges culturels, des trucs techniques ou technologiques. Après la construction des ponts entre la civilisation perdue et le groupe de héros, le monde commença à changer de manière extraordinaire. Les échanges et les partages entre les deux communautés, voilà, furent fructueux, ouvrant la voie à une nouvelle ère de progrès et d'harmonie. Les habitants de la civilisation perdue, guidés par les connaissances et l'expérience des héros, commencèrent à appliquer des pratiques durables et respectueuses de l'environnement dans leur quotidien. Petit message d'écologie. Ils s'inspirèrent des techniques de culture des oasis et de préservation de la nature que les héros avaient, ça m'énerve quand il dit les héros, avaient apporté avec eux. Ainsi, les terres stériles se transformèrent progressivement en des oasis verdoyantes où la vie prospérait. La coopération entre les deux mondes donna naissance à une nouvelle ère d'innovation. J'ai envie qu'il y ait un méchant. Les habitants de la civilisation perdue partagèrent leurs connaissances ancestrales en matière d'architecture, d'art et de médecine, tandis que les héros
apportèrent des concepts et des avancées technologiques du monde pré-apocalyptique. Ensemble, ils créèrent des merveilles architecturales combinant l'ancien et le nouveau, témoignant, ouais, on se détend, témoignant de leur collaboration fructueuse. La communication entre les deux communautés permit également l'émergence d'un système d'éducation mutuelle. Les enfants de la civilisation perdue apprenaient des héros l'histoire et les sciences modernes, tandis que les héros se plongeaient dans les traditions et la sagesse millénaire de la civilisation perdue. Cela créa un échange culturel riche et diversifié, où les valeurs et les coutumes des deux mondes se mêlaient harmonieusement. Le monde redécouvrit également le pouvoir de la solidarité et de la coopération. Les habitants des terres environnantes furent inspirés par les réussites de la civilisation perdue et des héros, rejoignant leur mouvement de reconstruction et de préservation. Des alliances se formèrent, permettant de partager les ressources et de faire face aux défis communs. Peu à peu, les cicatrices laissées par l'apocalypse commencèrent à se refermer. Les ruines furent réhabilitées, transformées en lieux de mémoire et de réflexion sur les leçons du passé. Les récits des héros et de la civilisation perdue devinrent légendaires, transmis de génération en génération, rappelant aux futurs habitants de la Terre l'importance de préserver l'équilibre entre l'homme et la nature. Le monde post-apocalyptique évolua vers une nouvelle ère de paix, de durabilité et de respect mutuel. Les ponts qui s'étaient élevés entre les deux mondes devinrent des symboles de connexion et d'espoir, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la coopération et la détermination peuvent mener à la renaissance d'un monde meilleur. Ah bah c'est pas mal ça. Très bien, maintenant je veux un méchant. Alors du coup, on va dire un personnage. On va dire un méchant, on va pas s'emmerder. Allez, un méchant va arriver et va vouloir s'emparer. Bah, il faut que je lui dise quand même avant. Allez, faut que je booste un peu son ego, sinon je sens qu'on va pas, ça va pas décoller. Cette histoire a eu beaucoup de succès. Voilà, il va se sentir mieux là. Il va prendre la confiance, ça va aller mieux. Les lecteurs réclament l'arrivée d'un méchant. Il va vouloir s'emparer du pouvoir et surtout des savoirs, hop, 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 des savoirs technologiques de cette ancienne civilisation. Écris cette histoire. Dans les profondeurs de l'ombre, un maléfique personnage émergea, avide de pouvoir et de savoir technologique. Son nom était Draven, un homme autrefois respecté, mais corrompu par la soif de domination. Il avait entendu parler de la civilisation perdue, oui, tout le monde en a entendu parler normalement, de ses merveilles et de ses avancées technologiques, et il était prêt à tout pour s'en emparer. Draven rassembla une armée de fidèles, des individus aussi avides et mal intentionnés que lui. Ils se préparèrent à l'assaut, déterminés à conquérir la civilisation perdue et à s'approprier ses secrets les plus précieux. Lorsque Draven et ses sbires arrivèrent aux portes de la cité en ancienne. Les héros et les habitants se tinrent prêts à les repousser, mais Draven était rusé et impitoyable. Il lança une attaque surprise, utilisant des armes et des technologies volées à d'autres groupes survivants. Mais il attaque. Ah non, Draven et ses sbires, pardon. Oui. La bataille fut féroce. Les héros, habitués à surmonter les épreuves, firent preuve, répétition, d'une bravoure et d'une détermination sans faille. La répétition sonore. Épreuve, preuve. Ils se battirent avec une force et une stratégie inébranlables. Ça, on le sait, hein. On l'a vu déjà dans l'épisode d'avant. Défendant leur civilisation et leur savoir avec une ardeur inégalée. Cependant, Draven avait une connaissance approfondie des technologies modernes, ce qui lui donnait un avantage certain, parce que les autres, c'est des bouseux, hein. Il utilisait des machines destructrices, des armes avancées et des tactiques sournoises pour affaiblir les héros et leur défense. Lui, il est sournois, d'accord? Voilà. Alors que la cité ancienne semblait sur le point de succomber aux forces de Draven, les héros puisèrent dans leurs réserves de courage et de créativité. Ils se rappelèrent la sagesse millénaire, hélas, de la civilisation perdue, et les valeurs qui les avaient guidés depuis le début de leur quête.
Guidé par Ariane, ils découvrirent un ancien artefact, un cristal mystique qui renfermait ce pouvoir, qui renfermait un pouvoir ancestral. Ce cristal conférait à celui qui le maîtrisait la capacité de contrôler les éléments et de rétablir l'équilibre. Ah mais carrément. Carrément. Mais genre elle le découvre. Attends. Genre elle le découvre parce que les autres, ils savaient plus qu'ils l'avaient. Comment ça marche? C'est un espèce de truc, genre ils en ont tellement qu'ils oublient, ils oublient ça dans un coin, genre ouais, on a ça là, mais pff, on s'en sert plus, ça prend la poussière. Ok, donc le cristal. Le chef des héros, Caleb. Ah mais en même temps, attends, si c'est pour rétablir l'équilibre, il faut donc attendre pour s'en servir que l'équilibre soit rompu. Donc là, d'accord. Là, d'accord. Le chef des héros, Caleb, s'éleva comme le porteur du cristal et libéra son pouvoir. Les éléments se déchaînèrent, mettant Draven et son armée en échec. Les machines se retrouvèrent hors de contrôle. Les armes s'éteignirent et les forces de Draven furent vaincues. Dans un ultime face-à-face, Caleb affronta Draven. Les pouvoirs du cristal s'intensifièrent, créant une tempête d'énergie qui entourait les deux adversaires. Finalement, Caleb triompha grâce à sa détermination et sa volonté inébranlable, scellant le destin de Draven. La civilisation perdue était enfin libérée du joug de Draven. Qu'il n'a pas eu le temps d'avoir, en fait. Il n'a pas eu le temps de mettre qui que ce soit sous son joug, Draven. Les héros avaient sauvé leurs connaissances et leurs technologies des mains de ce tyran avide. Ils célébrèrent leur victoire et renforcèrent leurs liens avec la civilisation perdue, partageant encore plus profondément leur savoir. C'est bizarre ce mot. Je ne veux pas savoir. Voilà. Je ne te demanderai pas de détails, ChatGPT. Ils célèbrent leur victoire. C'est super. Youhou, c'est la fête. C'est la fête. Bon. Donc c'est la fête, cocktail et tout ça, mer bleue. Sable chaud, machin. Ok. D'accord, pourquoi pas. Est-ce que... je sais pas. J'hésite, hein. Honnêtement, on peut lui demander d'écrire... Ça peut se terminer... Il n'y a pas de romance, je trouve que ça manque. Ça pourrait se terminer sur une romance. Un truc, voilà, entre justement certains héros de l'équipe et des gens de la civilisation oubliée. Ce serait beau, ça. Bon, alors, donc, on a ça, c'est super, youhou à la fin. Ça pourrait marcher. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un film. On va lui demander le casting. Cette histoire a eu beaucoup de succès et va être adaptée au cinéma américain. Parce qu'on a fait un casting français la dernière fois. Propose un casting. J'espère qu'il va donner quelqu'un pour le méchant. Donc Ariane, ah, à chaque fois c'est des gens. Ah, et il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Ah, ça va être intéressant. Ah oui, il y a le méchant. Allez. Ariane, l'archéologue intrépide, casting Alicia Vikander. Alicia Vikander est une actrice polyvalente. Alors, je vais lui demander qui c'est, ça, le temps qui charge. Alicia Vikander est une actrice polyvalente, capable d'apporter à Ariane à la fois la force et l'intelligence nécessaires pour le rôle. Ça va, elle est pas moche, quoi. Ah, mais voilà, c'est parce qu'elle a fait Tomb Raider. Eh oui, logique. D'accord. Chris Hemsworth, d'accord. Caleb, le combattant agile et maître de l'arc. Je sais pas trop s'il a un physique d'archer, mais bon, ok, Chris Hemsworth. Raison, Chris Hemsworth est à l'aise dans les rôles d'action, c'est tout à fait vrai, et peut incarner parfaitement le héros déterminé et puissant qu'est Caleb. Certes. Kira,
L'ingénieure brillante et inventrice talentueuse, Emma Stone. Emma Stone, je ne suis pas sûre de me rappeler à quoi elle ressemble. Moi, les visages, ça fait mille. Parce qu'Emma Stone est une actrice versatile qui sait apporter une touche d'intelligence et de charme à ses personnages, ce qui conviendrait parfaitement à Kira. D'accord. Ok. Ouais. Malik, le guide du désert expérimenté. Casting Rami Malek. Alors, qui es-tu, mon garçon? Parce qu'il possède une présence magnétique et une capacité à incarner des personnages mystérieux, ce qui en fait un choix idéal pour le rôle de Malik. Ah, d'accord, c'est lui qui a fait Bohemian Rhapsody. Ah oui, sympa ça. D'accord, cool. Maya, la guérisseuse dotée de connaissances en médecine traditionnelle, casting Lupita Nyong'o. Et elle... Ah oui, d'accord, Black Panther. Ah oui, et Us. Ok. Draven le méchant. Ah, le méchant. Attends, Tom Hiddleston, c'est pas Loki? Je peux tout mélanger, moi, c'est tout à fait possible. Si, c'est lui. Si. C'est pas un peu évident, ça, quand même. C'est pas un peu gros de dire on va prendre lui pour faire le méchant. J'aimerais bien un contre-emploi, moi, quand même. Ça aurait été intéressant. Parce que quitte à avoir un archer, j'aurais plutôt vu lui pour changer dans un rôle de gentil. Et un autre. Quelqu'un d'autre dans le rôle du méchant, quoi. Mais oui, ok, il est reconnu pour ses performances charismatiques en tant que méchant. Et sa présence magnétique ferait de lui un choix convaincant pour le rôle de Draven. Oui! Mais c'est cliché parce que. Bon, tu me diras, il n'y a pas de mystère, il arrive pour être le méchant. Bon. D'accord, ça va pour cette fois. Ce casting composé d'acteurs talentueux et populaires apporterait une dimension captivante à l'histoire en donnant vie aux personnages et en créant une alchimie intéressante entre eux. Super. Allez, maintenant, il nous faut la chanson de générique. Alors. Une chanson de générique de fin. Il nous faut une chanson de générique de fin entraînante sur un rythme pop rock pour une interprète connue. Pour une chanson de générique de fin entraînante. Ah, il nous propose des titres. Rise Up, interprété par Pink. C'est une chanson énergique et qui transmet un message de résilience, d'espoir et de dépassement de soi. Elle serait parfaite pour conclure l'histoire de manière positive et inspirante, mettant en valeur le courage et la détermination des héros. Pink est une artiste talentueuse et polyvalente, connue pour son style pop-rock dynamique, blablabla. Très bien. Excellente idée. Si jamais, si... S'il n'était pas possible d'en obtenir les droits, il faudrait écrire une chanson à proposer à cet artiste. Allez, allez, go proposer une chanson à Pink. À proposer à cet artiste. Écris cette chanson destinée
à être le générique de fin du film. Unbreakable! Oh, ça s'appelle Unbreakable. Voilà, il va y avoir un truc intéressant à mettre en musique encore. Voilà. Ah. Allez, voilà. Alors. In a world that's torn apart, where hope is but a fading spark, we rise above the darkest night, sans Batman, with strength to keep our dreams alight. We're unbreakable, we're unstoppable. Through fire and storm, we'll never fall. With hearts aflame, we'll light the way. In this world, we're here to stay. Ta-ta-ta! Through shattered dreams and endless strife, we find the strength to live our life. With every scar, a story told, we'll rise above, fearless and bold. Mais il rime vachement plus facilement en anglais, j'ai l'impression. Quand tu lui demandes en français, il est plus en galère. We're unbreakable, we're unstoppable. Through fire and storm, we'll never fall. With hearts aflame, we'll light the way. In this world, we're here to stay. Together we'll stand, hand in hand, defying fate. We'll make our stand. Through every trial, we'll endure. Our spirit strong, forever pure. Oh, qu'est-ce que c'est beau. We're unbreakable, we're unstoppable. Through fire and storm will never fall. With hearts aflame, we'll light the way. In this world, we're here to stay. Franchement, c'est pas hyper intellectuel, mais pour une chanson pop, c'est pas si mauvais. Par contre, c'était pas obligé. As the credits roll, the story ends, but in our hearts, the flame ascends. A reminder that we'll always be unbreakable, eternally free. Il fait quand même une note. Ces paroles peuvent être adaptées selon les besoins spécifiques du film et de l'artiste. C'est gentil de nous donner le droit de la modifier. Merci, ChatGPT. C'est très gentil. Et c'est l'heure. Voilà, je vous avais dit, hein, on fait trois quarts d'heure. Voilà, ça fait trois quarts d'heure là. Après, j'ai mes amis qui arrivent, il faut que je sois au taquet. Voilà. Bon. Je préfère quand il fait de la SF, hein, quand même. Disco, paillettes, licorne, tout ça, je trouve que c'est... Mais bon, c'était pas mal, ok. Il y a peut-être des trucs intéressants à faire avec la cité oubliée, là. Moi, j'aime bien le côté... cette ville oasis qui a des tours en verre qui émergent du sable. Ça, c'était sympa. C'était assez sympa. La chanson est pas mal. J'essaierai de vous la mettre en musique comme j'avais fait la dernière fois. Comme ça, la semaine prochaine, on s'écoute la chanson. Voilà. Je sais même plus avec quoi je l'avais fait, mais je vais essayer de retrouver. Allez, voilà. Bon, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bon week-end. Qu'est-ce qu'on a la prochaine fois? Jeudi. Non, mardi d'abord, mardi soir, YouTube, lecture, on n'a pas fini, Les Monstres du Néant, chapitre 9, on en est là. Bon, c'est tout foufou, on a un savant fou caché en plein milieu des Everglades, dans une grotte qui n'a rien à foutre dans les Everglades d'ailleurs, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bref, on attend de savoir où il en est et on attend de savoir si, oui ou non, il y a des aliens dans cette histoire. Et donc sur Twitch, c'est jeudi après-midi, 15h, je discuterai avec Anna Victoria Val d'écriture, voilà, comme on a fait hier soir avec Alex Nikolavitch. Et bien voilà, la prochaine sur la liste, c'est Anna Victoria Val, jeudi, 15h. Voilà, plein de gros bisous, bon week-end à tout le monde, et rendez-vous à la prochaine. Voilà. Bisous, ciao.